Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous avais dit, donc aujourd'hui, là, je suis rentrée il n'y a pas longtemps. On est donc mardi 20, voilà. Et donc, j'étais sur le Mans, je vous avais dit que j'irai avec ma fille. Et demain, normalement, on va aller sur Alençon. Malgré que on est très contente de nous, parce que franchement... Je trouve qu'on a assuré parce que ma fille, elle a trouvé ce qu'il lui fallait. Voilà, pour ainsi dire, il ne manque plus qu'un petit truc. Et moi, tout compte fait, pareil, je me suis trouvé un beau manteau. Du coup, j'étais trop contente, à moins 60%. Du coup, voilà. Non, on est très contente de notre journée shopping. Et du coup, on est passé vite fait... chez Teddy, Soustrine Green, parce qu'on était dans le centre du Mans, donc au Jacobin, il y a Soustrine Green, donc on y est allé, et Action, voilà, alors Action, voilà mes achats, voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai rien trouvé. Après, j'ai pas vraiment fouiné. Voilà. Mais j'ai quand même regardé. Hein. Et je n'ai rien trouvé de nouveau, en fait. Voilà. En tout cas, dans ce qui m'intéressait. Après, il y avait peut-être des nouveautés, je sais pas, au ruban ou au stylo, au crayon, je sais pas, peut-être dans les trucs comme ça. Mais en tout cas, moi, dans ce qui m'intéressait, en fait, j'ai rien vu. Voilà, j'ai jeté un œil au bloc, c'était là, enfin, vu comme ça, c'est les mêmes que d'habitude. Les dailles, en tout cas, il y avait un tel foutoir, de toute façon, que même s'il y avait des nouveaux, ils sont tellement mélangés qu'on verrait même pas. Hein. Mais en tout cas, il n'y a rien qui m'a interpellée. Donc voilà, j'ai juste pris ces deux roller colle, voilà, comme c'est ce que j'utilise le plus quand je fais l'art journal. Voilà, ou mes ATC, je vous ai dit que j'évitais d'utiliser la colle. Parce que je trouve que ça gondole. Voilà. C'est mon avis. Mais je ne sais pas pourquoi. Après, je peux très bien après les mettre un peu sous presse pour que ça redevienne bien droit et tout. Mais voilà, c'est pas... Je trouve que avec certains papiers, peut-être que c'est le papier que j'utilise moi qui fait ça. Hein, c'est possible aussi. Hein. Et du coup, souvent, je privilégie le double face, la colle comme ça, puisque je trouve que ça gondole moins. Donc voilà, j'ai trouvé que ça. Donc, économie. Ensuite, on est allé à Soustrine Green. Voilà. Alors là, c'est pareil. Il y a des papiers, hein, il y a... tout un tas de trucs. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de petites choses pour le loisir, hein, pour le dessin, pour... enfin, voilà, hein, pour ceux qui connaissent, c'est très joli ce qu'il y a dedans. J'aime bien comme magasin. Après, voilà, je vais pas acheter 50 000 choses dedans. Mais par contre, j'ai repris cette colle-là parce que je l'ai déjà prise une fois et je l'ai utilisée très rapidement. D'ailleurs, là-dedans, pendant longtemps, c'était cette colle-là que je mettais là-dedans et je trouvais qu'elle collait très bien. Voilà, c'est 2,36 € et j'en ai repris un tube. Ensuite, j'ai pris ces serviettes en papier. Je les trouve trop, trop belles. Voilà. Alors, le prix, je n'en sais rien. Voilà. Il me semble que c'était 1,50 € et des poussières. Mais pour une fois, d'habitude, il y a toujours le prix sur tout ce qu'on achète. Donc, je ne me suis pas vraiment... je n'ai pas fait attention. Et je n'ai pas le ticket. J'ai dit que je ne voulais pas le ticket. Donc, parce que je croyais que le prix, il était dessus. Mais en fait, non, il n'est pas dessus. Mais il me semble que c'est 1,58 € ou un truc comme ça. Et donc, il y en a 20. Et je trouve que le dessin, il est très beau. Voilà, la couleur, là, elle est très jolie. Voilà. J'ai pris ce washi, là. C'était 1,19 €. Alors, est-ce que je vais trouver où il se... Alors, j'espère que je ne vais pas être déçue, parce que des fois... Mais j'aime bien, même pour l'art journal, puisqu'on utilise aussi... On peut utiliser. Moi, pour l'instant, j'en ai pas. Je crois pas que j'ai utilisé déjà du washi dans l'art journal. Mais bon, on peut l'utiliser. Hein.
parce que ça colle et c'est décoré. Donc, j'ai vu pas mal de copines qui le font et ça fait joli. Alors, hop, je vais y arriver. Hein. Ah, bah dis donc. Hein. Je ne voudrais pas l'abîmer en même temps. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce, cette étiquette? Enfin, oui, cette étiquette, parce que c'est l'étiquette qui... Hop, on va faire comme ça, parce que ça se défait là. Voilà. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a du blanc? Est-ce que j'ai un petit papier blanc? Oui, j'ai là. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, ça fait ça. Franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien. Je trouve que c'est très joli. Voilà. Et donc, c'était, je vous ai dit, 1,19€. Et il y a 8 mètres. Voilà, 8 mètres. Mais voilà, c'est des toutes petites fleurs. Et la couleur, c'est un peu saumon et gris. Un gris vert. Enfin, je trouve ça beau. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et pour finir, là-bas, j'ai pris ces petites étiquettes-là. Que c'est pareil, ça fait des petits cadres. Et je me suis dit que ça pourrait faire peut-être joli pour justement l'art journal. Et donc, c'est 1,89€ le médaillon, enfin l'étiquette. Enfin, moi, c'est plus pour l'utiliser comme un petit médaillon. Alors, c'est les mêmes. Voilà, à part qu'il y en a un, c'est cool, c'est craft. Et puis l'autre, c'est blanc. J'aurais dû sortir le craft d'ailleurs. Vous voyez, c'est comme ça. Je trouve ça très joli. Voilà, donc il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il doit en avoir 10. Hop, c'est quoi ça? C'est des bouts qui restent dedans. Ah non, c'est parce que ça s'est mal plié. Si, il y a un bout qui reste. Voilà, ça s'était pas bien enlevé. Et donc là, c'est le blanc. Et donc, je vous ai dit, c'est 1,89€. Il y en a 10. Et je me suis toujours pareil hein, pour l'art journal, hein, bien sûr. Mais moi, après, je peux l'utiliser aussi dans une carte. Hein. C'est parce que je pensais à ça. Quand j'ai vu, je me suis dit que ça peut faire, vous voyez. Mais pour des cartes, je pense que ça peut faire aussi très joli. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a le trou. Mais je me suis dit, par exemple... Si je mets dessus, bah tiens, par exemple, là, hop, j'ai des petits personnages, par exemple. Si je veux mettre un petit personnage devant, et ben hop, ça bouche le trou et voilà, ça disparaît. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc, c'est, je vous dis, 1,89€ les 10. Hop, ouais, c'est ça, multiplié par 10. Et après, donc ça, c'est pour sous-stringing. Je n'ai rien pris d'autre. Hein. Il y avait des papiers, des choses comme ça. Mais bon, les prix, voilà. J'ai pas... En fait, il y avait plein de choses. Ma fille a rigolé, mais il y a toujours plein de choses qui me donnent envie. Il y avait des tampons, des petits tampons en bois de fleurs, de choses comme ça. Mais j'ai dit non, je ne vais rien prendre du tout parce que je prends et puis je n'utilise pas forcément. Donc, vous voyez, quand même, je réfléchis. Ce n'est pas des achats irraisonnés. Voilà, des achats où je ne réfléchis pas. En fait, j'ai réfléchi, j'aurais pu prendre plein de choses parce qu'il y avait plein d'autres choses qui, bon, limite, qui me plaisaient. Hein. Mais voilà, on ne peut pas tout prendre. Voilà. Alors après, donc c'est chez Teddy. Alors à vrai dire, je suis allée... Ah oui, si, je suis allée aussi dans deux magasins, 10 bureaux. Alors il y en a un, c'est Parc Monceau, voilà, à côté de chez Créatitude. Et puis il y en a un autre, c'est un peu plus bas, mais toujours dans le secteur là-bas. Parce qu'il y avait une copinette qui m'avait dit que chez e-bureau, il y avait le papier que j'aime bien, que Ghislaine m'a envoyé, en fait, du papier Florence. Et en fait, j'y suis allée, mais j'en ai pas trouvé. Ni dans l'un, ni dans l'autre, il n'y en avait pas. Donc, peut-être que c'est pas dans celui-là, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y en a pas. Voilà. Et donc, après, je suis allée donc, chez Teddy. Et chez Teddy, j'ai trouvé bah, des petites choses. Alors, je vais vous montrer. Alors, déjà, j'ai trouvé ces petites carottes. Voilà. Pour Pâques, oh, j'ai trouvé que c'était marron. C'est en bois, voilà.
Et je ne voulais pas forcément défaire. Mais hop, allez, hop, je défais parce que après. Allez, je vais prendre une petite boîte et je mettrai dans une boîte. Voilà, hop. Bon. Je rangerai bien tout ça après. Et donc voilà les petites carottes. Hein. Oh, il y a une petite feuille qui est cassée. Voilà. C'est petit, hein. Ils font, alors elles font 4 cm de hauteur. C'est assez fin. Je pense que même sur une petite carte, on peut s'amuser, voilà, pour Pâques, pour mettre avec le lapin. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Hop. Combien je vous ai dit, 1 euro? Non, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait du papier? Je l'ai jeté. C'était 1 euro. Il y en a 12 carottes pour 1 euro. Donc, je trouvais que c'était, voilà, hein, c'est sympa. Donc là, ensuite, j'ai trouvé des stickers lapin blanc. Alors, il y en avait d'autres couleurs, tout ça. Mais je me suis dit que ceux que j'aurais peut-être une chance d'utiliser, bah, c'est ceux-là, les blancs, comme ça. Alors, du coup, j'ai pris et voilà, c'est 1 euro. Et donc, vous avez des petits lapins. Hein, assis, qui courent, qui sont couchés. Voilà. Et ces petits papillons. Bon, les petits papillons, je ne peux pas dire que j'aime forcément. Mais bon, après, ça dépend. Des fois, utiliser pour certaines choses, ça peut le faire quand même. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça. Ensuite, alors, j'ai trouvé quelque chose, c'est pareil. Je vais prendre une petite boîte. Ce que je vais mettre dans la boîte, je vais défaire de là. Hop. Pourquoi ces petites boîtes-là, elles sont très bien. Alors, hop, je vais mettre la feuille blanche. Je vais vous montrer. Alors, c'est 1 euro, hein, toujours chez Teddy. Hein. Alors, je suis... Oui, j'avais commencé à dire. Parce que je suis... En réalité, je suis allée chez Teddy pour quelque chose de bien précis. Voilà. Parce que j'ai vu sur une vidéo de Betty... Elle faisait des, vous savez, ces petits, ça là, les pics comme ça, décorés, voilà. Et moi, j'en ai acheté en fait. Hein. Mais les miens, ils ne vont pas du tout, vous voyez la différence. Voilà, j'avais cherché et en fait, ceux que j'ai, ils sont trop gros, donc je ne peux pas les utiliser. Donc du coup, j'en ai toujours pas fait. Et bon, j'ai commandé des choses, mais j'y ai plus pensé, donc je n'en ai pas recommandé. Et là, justement, Betty, elle me disait, elle a montré le paquet. Hein, elle en a trouvé chez Teddy, en fait. Hein. Et elle a fait d'ailleurs un pic comme ça. Elle a décoré avec celui qu'elle a acheté chez Teddy. Donc, du coup, je me suis dit, bah, si je vais au Mans, je vais aller chez Teddy. Comme ça, je vais en prendre. Et oui, bah, il n'y en a pas. Voilà. Alors, il y en a peut-être eu. Alors, il y a plein en bois et tout, mais il n'y en a pas du tout en métal. Alors, peut-être qu'il y en aura comme on est qu'au début de la saison, je ne sais pas, mais j'ai des doutes quand même. J'ai des doutes. J'ai bien l'impression que j'en trouverai pas. Hop, 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 là. Bon, alors là, on va essayer de couper le scotch. Voilà. Et là... Alors ça, j'ai trouvé ça joli. À vrai dire, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire avec. Voilà. Ça fait partie des choses, des fois, qu'on prend. Et puis, et donc, c'était 1 euro ou 1,55 euro, ça? Parce que j'ai le papier. Non, c'est toujours 1 euro. Et regardez. Non, mais franchement, j'ai trouvé ça trop beau. Regardez les étoiles de mer. Je vais mettre une étoile de mer. Là, hop, vous avez des coquillages, encore des coquillages. Regardez les, hop, l'hippocampe, hein, comment il est beau. Les étoiles de mer, hop, il y en a des différentes, voilà, avec des dessins différents. Voilà, celle-là. Alors, il y a des petits trous, donc on peut le mettre, on peut accrocher pour dans les albums, dans les bijoux d'album, je pense, parce qu'il y a un petit trou, en fait. Voilà, il y a un petit trou. Donc, je vais vous montrer de plus près. Franchement, j'ai trouvé ça trop joli. Regardez.
Et c'est fin, hein. C'est très... c'est, je trouve que c'est délicat. Voilà. Et donc, c'était 1 euro. Franchement, voilà, hein. Je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais ça me plaît trop, donc je vais les prendre. Alors, hop. Comme ça, voilà. Sur la mer. Comme ça, si jamais je dois faire même quelque chose sur le thème de la mer, eh bien, écoutez, voilà, j'aurai ces petites choses-là. Donc, voilà. Là. Et ensuite... Alors, ensuite, j'ai trouvé ces deux petits calepins. Alors, c'est pareil, c'est du papier fin. Alors, c'est 1,55 €. Il y a normalement, il y a 100 pages. Chaque fois, il y a 20 dessins différents. Il y a, à chaque fois, c'est 5 fois. Et c'est du 100 grammes. Mais toujours pareil, je trouve que pour l'art journal, par exemple, pour des choses comme ça, ou même quand on fait les comment dire bah les ATC, hein, enfin des petites choses comme ça peut pour les matages, hein, quand on veut faire des petits matages, des choses comme ça, j'ai trouvé que c'était des jolis papiers. C'est pareil, hein, y avait plein de papiers. Hein. Enfin, plein. Disons, il y a d'autres papiers que je n'ai pas. Voilà. C'est juste ça, c'est des papiers que je n'ai pas, que j'ai trouvé qui n'étaient pas vilains, mais que je n'ai pas pris parce que j'en ai beaucoup déjà et que voilà, je prends que ceux que je suis quand même susceptible d'utiliser plus. J'en ai déjà beaucoup stocké comme ça que voilà, hein, maintenant c'est surtout du papier que je veux utiliser, bah, comme là avec les art journal, tout ça, et ben, il y a peut-être, voyez, il y a plein de petites choses dedans. Alors là, je vais peut-être, ouais, je vais agrandir un petit peu sur mes mains, comme ça vous verrez mieux. Alors, attention, les yeux. Voilà, par contre, il faut que je laisse toujours là, à cet endroit-là. Il faudrait que je mette une feuille. Alors attendez, normalement j'avais des feuilles. Là, j'ai une feuille blanche, comme ça, je vais essayer de la mettre pour que... Voilà, là il y a les deux. Est-ce que les deux ils rentrent dedans? Voilà. Donc je vais essayer de rester là dans dans la feuille là. Donc, alors, je vous dis, il y a chaque fois il y en a 5 pareils. Hein. Donc là, vert, c'est des petites fleurs, des petites. Ouais, c'est des fleurs. Là, ça fait les fleurs de pissenlit, vous savez, les pistils là qui s'envolent, les graines plus exactement qui s'envolent. Voilà, blanche sur un fond rose. Hop là, c'est du vert avec des petites branches blanches. Là, c'est des petites fleurs, comme les fleurs qui sont un peu sèches. Il y a des fleurs différentes. Je trouve ça très joli. Là, toujours les fameuses graines de pissenlit qui s'envolent, mais cette fois-ci, elles sont gris foncé sur du blanc. Pareil là, hop. Le fond rose. Là, je trouve ça très joli aussi. Hop, toujours les graines de pissenlit. Comme c'est du papier fin, donc on peut facilement le, ah oui, le déchirer, le coller. Enfin, il prend pas d'épaisseur en fait. Là, les fleurs, je trouve ça très beau, rose comme j'aime bien. Encore des graines de pissenlit. Là, c'est des toutes petites fleurs. Voilà. Là, hop, des feuillages. Hop, là, c'est du vert avec les fleurs blanches. Voilà. Là, le rose avec les fleurs blanches. 5, voilà. Là, des petites fleurs. Voilà, hop, hop, hop. Là, des petits feuillages. Là, voilà. Du vert avec des petites fleurs. Hop. Là, des petites fleurs. Encore du rose avec des petites fleurs ben, très claires, beige, je pense.
Et là, voilà, l'air un peu plus foncé. Et donc, voilà pour le premier petit calepin. Donc, je vous dis 1,55€. Il y a 100 pages. Voilà. Et à chaque fois, vous avez 5 dessins pareils. Là, c'est... Il y a 60 feuilles, c'est toujours... elles font 10-10, hein. Ça fait 10 sur 10. C'est du 100 grammes aussi. Par contre, il n'y a que 60 feuilles et il y a à chaque fois, il y a 20 dessins différents, mais il y a 3 feuilles à chaque fois, toujours pour 1,55€. Et donc là, hop, les chouettes. Là, comme ça, comme ça. Voilà. Là. Là, j'aime beaucoup celui-là. Même pour des ATC, j'ai beaucoup aimé ce papier. Je pense que, voilà. Là, on dirait des fougères. Là, un fond marron. Là, bleu. Là, du bois. Planche de bois. Là, le fond vert et des petites feuilles blanches. Celui-là, le mélange des couleurs, bon... Ça fait comme des chrysanthèmes jaune et bleu. Disons, voilà, c'est limite. Hein, pour, là, ça fait un cerf, une tête de cerf. Et puis des flèches. Bon. Là, j'adore celui-là. Celui-là, ça va. C'est du feuillage vert. Bon, ça va. Là aussi, ça fait vintage. Là, c'est des palmiers. Voilà. Là, hop, c'est des fleurs, voilà. Des épis, on dirait épis de blé, épis de... C'est des céréales, en fait. Là, c'est joli aussi, j'aime bien. Là, j'adore aussi, c'est des... zut. Des orchidées. Et voilà. Donc voilà, j'ai pris ces petits-là. Il y en avait d'autres. Au début, je regardais, il y en avait encore plein de modèles comme ça. Mais non, j'ai pris vraiment, mais vraiment, vraiment ceux que j'étais susceptible vraiment d'utiliser. Voilà. Ensuite, il y avait ce pochoir-là. Voilà, j'ai pris. Parce que j'en ai pas de pochoir dans ce style comme ça. Et que j'aime bien. Ça fait plusieurs fois que j'ai vu des trucs, des tutos d'Aurélie, de la chaîne Aurélie Scrap Studio. Et à chaque fois, elle en a des beaux, en fait. Et là, je suis tombée sur celui-là. Waouh, 1€. Franchement, il n'est pas cher. Hein, et je trouve qu'il est trop beau. Maintenant, il faut que je l'utilise, voir ce que ça donne. Mon portable, il n'arrête pas de sonner. Je ne sais pas ce qui se passe, mais d'un seul coup et d'un seul... Alors, après, j'ai trouvé tout ça. Regardez. Tout ça, des stickers transparents en fleurs. Alors, c'est génial parce que j'en voulais pour mes junk journal, hein, vous savez. Et j'ai trouvé plein de... Regardez, là, dans les thèmes jaunes, alors vous avez des jonquilles, des... là, c'est... Mince, c'est des soucis. Là, des lys. Hop, encore des lys. Là, vous avez ceux-là, c'est... peu dans le style des chrysanthèmes ou des marguerites, là, je sais plus le nom de ceux-là. Voilà, j'aime bien. Là, celui-là, je sais pas le nom, ça fait un peu comme les gueules de loup, mais c'est pas ça, c'est sauvage. On trouve ça quand on se promène des fois au bord de la route, il y en a. Ici, en tout cas, dans mon secteur, il y en a. Là, toujours des lys, vous voyez, encore les mêmes, là, que je vous dis. Ça fait que c'est ouais, ou des marguerites jaunes, mais c'est pas, je crois, j'arrive pas à retrouver. Je connais le nom, mais ça vient pas. Ça, c'est des boutons d'or. Là, encore le même style de fleurs. Là, pareil, ça fait, enfin,
Ça fait un peu comme, je ne me rappelle plus le nom. C'est pas du tournesol, hein. Parce que ça fait penser à la fleur du tournesol, mais c'est pas du tournesol. On a ces fleurs-là dans le jardin. Des fois, elles font presque 2 mètres de haut. Et ça fait ces fleurs-là. Mais je me rappelle pas du nom. Voilà. Et donc, bah voilà. Après, c'est tout pareil, hein. Voilà, c'est les mêmes. Donc, il y a quand même tout ça. Donc, combien il y en a dans le paquet? Il y en a 40. Alors, ça, c'est les jaunes. Et 40 pour 1 euro. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Donc, maintenant, j'espère qu'elles vont se décoller facilement. Parce que souvent, moi, c'est ça qui m'embête le plus. Parce que celles que j'ai commandées, j'arrive à les décoller très facilement. Ah, si ça se décolle bien. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question qui disait qu'elle n'arrivait pas à décoller. Alors, c'est vrai que même moi, au début, quand j'ai eu des choses comme ça, j'avais du mal à décoller la pellicule ben, transparente, hein. Mais il faut s'armer de patience. Il faut faire un bord et puis il faut utiliser, comme moi, j'utilise soit une pointe comme ça, là, soit ce genre de petit cutter, là. Sur la pointe. Oh là là, j'espère que vous avez tout vu parce que c'est vrai que j'ai. Oh là là, j'ai oublié de. Oh là là, j'espère que vous avez vu bien parce que j'ai étalé, mais voilà, je remets encore un petit coup comme ça. Allez, tant pis. Allez, comme vous voyez, de toute façon, il y a des jonquilles, je vous ai dit tout ce qu'il y avait. Donc, ça, c'est les jaunes. Voilà. Hop, hop. Alors, ça adhère. Hein, voilà. Franchement, quand j'ai vu 1 euro, et j'avais même pas vu qu'il y en avait 40 dedans. Pour être franche, je croyais qu'il y en avait moins. Mais je trouvais que pour 1 euro, ben, je sais pas, je trouvais que ça valait le coup quand même. Enfin, quand même, carrément même. Voilà, hop. Donc là, j'ai pris des jaunes. Hop là. Ensuite, j'ai pris les violettes. Alors, attendez. Hop. Les violettes, j'ai vu des choses qui me plaisaient beaucoup. Regardez ça, j'adore. Hop là. Ceux-là, là, comme ça, je trouve ça trop beau. Elles sont tous mises à l'envers. Hop, regardez les petites pensées. J'en ai plein comme ça dans mon jardin. Hop, encore des petites fleurs violettes. Encore là, hop là. Ça commence, c'est beau ça. J'oublie toujours le nom de ces fleurs-là, mais elles sont magnifiques. Encore des pensées. Là, des petites comme ça, là. Je connais pas tous les noms. Hein. Là, ça fait des renoncules. Je crois que c'est ça. Avec les cloches, il y a des petites cloches et des grandes cloches. Voilà. Là, hop. Il y a. Ah non, c'est pas de la lavande. J'allais dire de la lavande, mais ce n'est pas de la lavande. Je ne sais pas. Là, je ne vois pas ce que c'est. Vous voyez, il y a quand même. Voilà, il y en a 40. Hein, donc, pour le prix, franchement. Et les couleurs, elles sont belles. Hein, les bleus, là, c'est vraiment. C'est du bleu. Hein, parce que j'en ai, en fait, où les couleurs, ben, elles sont un peu passées quand même. Là, des bleuets. Ça aussi, c'est joli. Là et là. Donc voilà pour les bleus. Enfin, bleu, violette plutôt. C'est bleu-violet quand même. Hop. Voilà, ça glisse. C'est difficile de les attraper. Bon, hop. Je ne pensais pas mettre autant de temps parce que. Et voilà, c'est parti. Voilà, déjà une par terre.
elle est par terre. Ah, elle est collée au meuble. Voilà, donc voilà pour les violettes. Ensuite, les roses. Parce que du coup, j'ai essayé de prendre de chaque couleur. Oh là, le paquet, il est déchiré. Oh là là, j'espère qu'il n'y en a pas de perdu. Il est carrément tout déchiré, là. Oh. J'ai pas fait attention. Là. Là. Elles sont vraiment magnifiques. Là. Elles sont trop belles, ceux-là. Regardez-moi ça. Là. Là. Oh, les petites roses là, elles sont trop jolies. Là, les tulipes. Voilà. Là, encore une rose. C'est beau avec ça, avec comme si elles étaient attachées comme ça. Oh, pas comme ça. Alors là. Là, ces petites fleurs comme ça. Là. Ça, c'est la même que là. Là, la même que là. Oh là 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 là, comment c'est joli là. Oh, ceux-là sont les anémones du Japon. Là, celle-là, elle est déjà, elle est là. Là aussi, c'est super joli. Là, encore des roses, elles sont magnifiques. Très belles les roses. Voilà. Là, je vois pas trop. Non, tout à l'heure, c'est des campanules. La fleur de tout à l'heure, c'est pas ce que je vous ai dit. Je pense que c'est des campanules. Je pense que j'ai dû faire une erreur. Là, on dirait des phlox. Là, encore une rose. Un œillet. Là, c'est la même que là. Là, c'est encore une tulipe. Et là, c'est la même. Alors, je vais faire comme ça. Alors, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, ben non, c'est bon. Et c'est, il y a les... Parce qu'à chaque fois, elles sont en double. Donc, il y a vraiment les 40. Donc, il n'en manque pas. Parce que comme j'ai vu que c'était déchiré, du coup, hop, j'ai un autre truc qui se promène là. Je vais les mettre dedans. Parce que... Voilà. Et donc là, les roses, encore 40. Voilà. Là, je pense que ça va rentrer là-dedans. Mais... C'est pas. Bon, c'est plus ou moins comme ça, hein, mais bon, on verra après. Je vais ranger après. Voilà. Et après, pour finir, voilà, c'est les ceux-là. Alors. Je crois que c'est les mêmes. Donc, je défais déjà un paquet. Et si c'est la même chose, si je vois les mêmes que l'autre côté, je ne vais pas défaire. C'est juste... Ah, par contre, là, on dirait qu'il y en a moins, celui-là. Bah, si, c'est marqué 40 quand même. C'est bizarre. On ne dirait pas qu'il y en a 40. Hein, mais c'est peut-être parce que c'est comme ça. C'est trop joli, c'est que des tulipes. Regardez comme elles sont. J'adore les tulipes. Voilà, on va voir si elles sont toutes par deux. Hein. Là, c'est vrai, quand on voit comme ça, on se dit, mais non, il n'y en a pas 40. Là. Mais peut-être que si, en fait. Voilà, hop. Là.
Là. Là. Là. Hop, petit bouquet. Regardez ces bouquets-là, comment ils sont magnifiques. Là, encore par deux. Oh, les bouquets jaunes, là, trop beau. Ceux-là aussi, elles sont magnifiques, ceux-là. Voilà, c'est la même. Donc là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Ensuite, il y a vraiment les 40, en fait. Et c'est vrai que c'est tellement fin qu'on se dit, c'est pas possible. Et si, c'est possible. Donc celle-là, je la vois pas. Je ne la vois pas. Ah si, elle est là. Je l'ai dans la main. Voilà. Elle est toute palote. Là, le jaune et là, les autres. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a bien les 20. Et voilà. Et donc, c'est les mêmes. Donc, je ne défais pas celui-là. C'est les deux pareils. Mais je les trouve vraiment trop, trop beaux. Voilà. Et donc, voilà le reste. La fin de mes achats de chez Teddy. Voilà. Et donc, je vous dis, c'était des paquets de stickers transparents à 1 euro. Voilà. Et là, il n'y avait que ça. Il n'y avait que des fleurs. Il n'y avait pas... Je regardais des fois s'il y avait des personnages ou des choses comme ça. Et non, dans les transparents comme ça, j'ai trouvé que des fleurs comme ça. Mais bon, moi, ça me convient très bien. En plus, le printemps arrive. Donc, vous voyez, ça me plaît beaucoup. Hop. Ah, oh, zut. Voilà, j'en ai fait tomber. Mais Elena, c'est statique, en fait, parce que comme c'est en plastique, hop, ça, je sais pas trop comment vous dire ça, ça... C'est comme si il s'en allait. Hop, ça, comme s'ils étaient attirés par quelque chose. Et du coup, j'en ai au moins 3 qui sont tombés. Voilà. Alors, que je vous donne 3. En plus, 4 même. Je regarde. J'en ai pas une autre. Non. 4, c'est quand même pas mal. Et donc voilà mes petits achats. Vous voyez, j'ai quand même été très raisonnable parce que je vous dis que ce soit chez Sostring Green ou chez Teddy, franchement, il y avait d'autres choses qui me plaisaient, hein. Mais j'ai pas pris. Je me suis dit non, non, non. J'ai dit que je prenais. Que j'essaye de prendre plus des choses que... Et encore, ça, j'ai hésité. Voilà. J'ai hésité. Mais après, je me suis dit, oui, si je fais des petites ATC ou des cartes, comment dire, sur Pâques, je me suis dit, c'est peut-être sympa d'avoir des petits lapins. Voilà. Donc, je les ai pris, mais voyez, parce que j'ai hésité. Je les ai pris, je les ai reposés. Il y en avait d'autres aussi que j'avais pris et je les ai reposés. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai plein de stickers et ça, c'est sûr que j'ai utilisé dans l'art journal. Ça, c'est sûr que j'ai utilisé. Mais c'est vrai, quand c'est des choses comme ça, c'est comme ce qui est en bois. Mais j'aime bien avoir. Donc, j'ai pris quand même. Donc, voilà, tous mes petits achats. Hein, je vais tout mettre là. Tout mon mini haul parce que j'en ai pas pour cher. Hein, j'ai dû avoir... Là-dedans, il y a peut-être... ouais, je ne sais pas. Il y a moins de 20 euros. Hein, il y a beaucoup moins de 20 euros puisque quand j'ai pris d'autres choses, donc à chaque fois, la somme, bon, bah, ça faisait tant. Mais comme une fois que je déduis les autres choses que j'ai pris qui n'a rien à voir avec le scrap, je pense que je dois avoir, allez, peut-être pour 15 euros. Allez, 15 euros. Alors, bon, bah, ça va, hein, ma petite sortie. Je n'étais pas sortie de la maison depuis... c'est depuis quand que je n'avais pas été dans les magasins où j'avais acheté des choses. Et ben ça fait plus... ouais, plus du...
Bah déjà, la semaine dernière, je ne suis pas du tout sortie. Voilà, parce qu'avec mon histoire de jambes et tout ça, je ne suis pas sortie la semaine dernière. J'ai dû sortir, ouais, jeudi. Et là, on est, ouais, bah, ça fait plus d'une semaine et demie, en fait, que je n'étais pas sortie. Donc, ça va, j'étais raisonnable. Voilà. Allez, raisonnable ou pas, sur ce. En tout cas, moi, j'ai eu envie de me faire plaisir. Donc, voilà. Donc, sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.